Ce mois-ci, on parle de vin de roche. Roche, moi, quand, en fait, en anglais, roche, c'est rock. Et quand je pense rock, rock and roll. Rock and roll, je me dis, ben, il me semble qu'au mois d'août, on fait le party rock and roll. Fait qu'on s'est trouvé un petit liquide rock and roll to party all night long. Et Mirabelle, de l'eau de vie de fruits de Mirabelle. Il me semble que c'est un bon nectar pour faire le party toute la soirée. Rock and roll, j'ai chaud. On va s'hydrater un peu, malgré que l'alcool, ça me donne encore plus chaud. Mais let's go. Alors, on goûte à ça. Ah oui, je voulais vous dire, il y a un voilà, verre intégré, mais on va essayer ça dans le verre à vin en premier. De la Mirabelle, en fait, c'est... La Mirabelle, c'est quoi de la Mirabelle? C'est une petite prune orangée. Et voilà. Et ça, c'est une eau de vie qui est faite en Alsace. Donc voilà, on goûte à ça. J'adore le format. En passant, je trouve ça parfait pour faire le party rock and roll. Il y a vraiment un nez de fruits très pur. La Mirabelle en soi, est-ce que ça a un nez de Mirabelle? Ça sent la prune, en tout cas. Est-ce que c'est... La Mirabelle, vraiment, j'en ai pas mangé assez souvent pour dire si ça a un nez de Mirabelle en soi, mais ça a un nez de fruits, vraiment. Et bon, il paraît que quand on déguste des alcools, faut pas trop... voilà, faut sortir son nez un peu. On goûte. Ça réveille, il y a une touche de sucre, hein, fait que c'est comme... ça, c'est parfait pour faire le party. C'est fort, mais c'est comme... C'est bon pour les filles aussi. C'est pas juste fort, c'est aussi goûteux, savoureux, fruité. Et aussi, on l'essayait dans le petit verre. Donc, comme ça. En fait, la technique, là, c'est... de verser un verre comme ça et... Happy rock and roll. Donc Mirabelle de Nussbaumer, eau de vie. J'ai chaud, bu sur le web.